Salut, salut. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la dernière partie de notre soupe. Donc c'est déjà la dernière vidéo pour vous. Pour moi, c'est les derniers paquets. Ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Donc aujourd'hui, on est le jour 17. Donc, pour rappel, je mets la vidéo numéro 1, juste ici, du swap numéro 1, si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Pour rappel, c'est un calendrier de l'avant-avant, puisque nous sommes en novembre, jour où je tourne cette vidéo, que j'ai fait avec ma belle by Manolita, ma petite Manon. Donc, nous avons décidé de faire un cadeau pour le numéro 1 et notre cadeau de Noël pour le 24. Et le reste, c'est du vide-placard. Donc là, on est encore totalement dans le vide-placard. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que des petites pépites. Elle m'a fait pleurer quelques fois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous n'avez pas encore vu. Je vous mets bien sûr en barre d'infos sa vidéo de sa troisième partie. Sa chaîne aussi, comme ça, tout est fait. Et vous avez la partie 1 et 2 également en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez les voir toutes si jamais vous ne les avez pas vues. Donc, nous allons passer au jour d'aujourd'hui. Mon petit indice, c'est j'espère qu'ils te conviendront. Donc c'est très vaste, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voyons voir ça. Numéro 17, donc j'ai changé un peu la disposition. J'ai mis le petit sac ici et les cadeaux ici. Donc on les trouve un peu plus facilement quand même. Hein. Donc le numéro 17, c'est un comme ceci. Donc ça a l'air d'être des crayons. C'est tous des liners, enfin deux crayons et deux liners. Donc on a le Beach Cruiser Waterproof Liquid Eyeliner de chez Essence, qui doit être un liner noir, je suppose. Ah non, c'est un chromatique, enfin un bronze. Oui. Super. Super, super, ça j'en ai pas. On a le Deep It Eyeliner Black de chez Sleek. Jamais testé. Alors, c'est une pointe rigide en feutrine. Ouh, il a l'air bien noir. À tester. Alors, nous avons un crayon Bella Pierre. Un gel eyeliner en teinte ébony. Donc, ça doit être un noir aussi. Oui. Et ensuite, de chez Peace. P-A-E-S-E, je ne connais pas du tout. Linea Automatic Eyeliner Black Glam, qui est neuf. Je vais essayer de faire ça sans m'arracher une dent. Bon, j'arrive pas du tout à l'ouvrir. Donc voilà, ce sera la surprise pour celui-là, mais c'est un automatique, donc ça j'adore. Et les crayons noirs chez moi, vu la consommation, c'est pas perdu. Et donc, bah, nous, on passe directement au jour numéro 18. Si vous voulez voir la vidéo de ce make-up, c'est le crash test de la Baby Yoda, enfin de la The Child de chez Colourpop. Donc je vous la remets juste ici dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vu. Et donc pour le jour 18, mon indice c'est les couleurs se ressemblent, mais je vois bien ça sur toi. Donc encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc jour 18, voyons voir ça. 20... J'ai du mal à voir les chiffres. 22, 18. Ici. Je pense que c'est des rouges à lèvres. Tout à fait. De chez Révolution. Ah, intéressant. Je connais pas du tout cette gamme-là. Je n'ai jamais vu cette gamme-là passer sur... Ah, ça c'est un différent. Donc, nous avons ici, donc, de chez Révolution, la teinte truffe. Non. Trou. Trou. J'ai cru que c'était marqué tru. Donc, qui est un marron. Bon, marron. Marron un peu rouillé, comme ça. Marron orangé. Très joli. Donc, à tester. Celle-ci, donc, c'est la Movie. Je ne sais pas la gamme. Je ne sais pas si c'est une édition limitée ou quoi que ce soit. C'est encore un marron, mais plus... ah, c'est un bordeaux. Ouh. Il est beau. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai une obsession avec cette teinte-là. Je ne sais pas pourquoi.
Et ensuite, nous avons le poisse. Le poisse, il va trop bien avec moi celui-là. Qui est un brick. Oh, oh, j'ai hâte de tester ça. Ouh. J'aime beaucoup les teintes. C'est très joli. Je vous montre de plus près peut-être. Très, très, très joli. Très, très, très joli. J'ai hâte de tester ça. Donc, on continue. Donc, jour 19, mon indice, c'est pour finir un look, entre parenthèses, de tous les jours ou plus artistique. Moi, je dis que ça sent les fossiles, n'est-ce pas? Alors, 19. Bon, vu le poids du paquet et la forme du paquet, je pense que c'est bien ça. Et si c'est bien ça, c'est bien vu, parce que j'y aurais pas pensé à en mettre, en fait. Donc, il y a 3 boîtes de fossiles. Alors, il y a d'abord les Valentine Wookers de Essence, qui sont comme ceci. Donc ça, j'aime bien parce qu'ils sont bien fournis sur le coin externe. J'aime beaucoup. Ils ont l'air pas trop longs, donc ils peuvent très bien passer derrière mes carreaux. Ceux-ci sont magnifiques. C'est les Elle Splash Golden Gatsby 3D Faux Minx Lashes. Ils sont très, 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 très beaux. C'est le genre de fossiles que j'adore. Et de chez Essence, les Magical Mystical Me. Donc, c'était deux collections, deux éditions limitées, enfin, des fossiles. Je vais y arriver. C'est les fossiles de deux collections limitées de chez Essence. Donc, ceux-là sont sympas aussi. Et peut-être bien qu'ils passent derrière mes carreaux. Mais avec les fêtes qui approchent, ceux-ci, je vais m'éclater avec. Et ceux-ci pour tous les jours. Top ici. Donc, de toute façon, je suis devenue complètement accro aux fossiles. Hein, en cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je suis devenue accro à beaucoup de choses, en fait. Hein. Jour 20 de notre calendrier de l'Avent. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 3 colis vide-placard après celui-ci. Plus le cadeau de Noël du 24. Voilà. Ça passe trop vite. Beaucoup trop vite. Donc, mon indice d'aujourd'hui, c'était « Tu préfères être une sirène ou une licorne ?» Pour l'autre, je ne sais pas quoi dire. Alors, j'avoue que ça me fait un peu peur, cet indice, puisque ça me fait fortement penser... Pardon, je postionne. Fortement penser aux palettes de chez I Love Revolution. J'espère que c'est pas ça, parce que j'ai revendu les miennes. Voilà. Donc, on va voir. Donc, paquet numéro 20... Donc, ça a l'air d'être des petites palettes, hein, j'ai l'impression. Donc. Mais ça n'a pas l'air d'être la même forme. Donc, je pense que c'est pas ça. J'espère. J'ai un peu peur pour ce paquet aujourd'hui. Non, c'est pas ce que je pensais. Donc, ça va. Je vois pas le rapport avec le thème. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Donc, c'est la palette Redemption, palette Mermaid versus Unicorn. Unicorn de chez Revolution. Donc, celle-là, je ne l'ai jamais eue. C'est une palette tout à fait colorée. Voilà, voilà. C'est que des shimmers. Les deux derniers, là, ils sont très jolis. Je ne sais pas pourquoi c'est ceux qui m'attirent le plus. Bon. À tester. Et l'autre, c'est le, pour le jeu, je ne sais pas quoi dire, c'est une palette de nude, c'est The Rock Nude de chez Maybelline. Donc, bah écoutez, ça j'ai hâte de tester parce que j'ai jamais testé les fards Maybelline. Donc, vous pouvez soit les mettre en quad, soit en trio, soit en duo. Donc, c'est très bien pensé. Ouais, il parle de quad comme ça, de duo comme ça ou de trio comme ça. Mais écoutez, j'ai hâte de tester celle-ci. Il y a une petite embonmousse encore avec, et elle n'a même pas été swatchée. Si, un fard. C'est honteux. Voilà, il y a des jolies teintes. Notamment, j'aime beaucoup les deux ici. Celui-ci a l'air très beau aussi, c'est un shimmer. Et là, vous avez un bleu nuit avec des petites paillettes bleues. Ici, un noir avec des petites paillettes argentées, un peu bleu-rose dedans. Je vais vous enlever le pinceau, je vais vous montrer. Voilà. Bah écoutez, on testera ça. J'ai... hâte de tester les fards Maybelline parce que je vous dis, je connais pas du tout, du tout, du tout. Voilà, donc on se retrouve demain. Jour numéro 21. On se rapproche de la fin. Donc, est-ce que je viens de me lever? Absolument. Est-ce que j'ai juste
essayer de me coiffer absolument et juste enfiler un pull. Tout à fait. Donc mon indice du jour, c'est après avoir testé tout ça, un peu de soin. Voilà. Donc le 21, ils sont très faciles à trouver, n'empêche pas. Hein. C'est ici. Alors je crois que c'est une marque, un max d'échantillon. Ou des masques. Des masques. Alors. Un max de masques. Alors. D'abord, on a un échantillon du Glam Glow Masque Soin Illuminateur, le Flush Mood. Je ne connais pas. De chez The Body Shop, Vitamine E, masque hydratant intense. J'adore la gamme à la vitamine E de chez The Body Shop. J'adore. J'adore le contour des yeux. Un masque visage au thé vert de chez Sephora. C'est bien, ça me refait des masques. Un masque visage à l'ananas, toujours de chez Sephora. Et elle m'a mis les 4 princesses Disney d'action. Oh, je donne. Donc les réponses, je l'ai déjà, puisque Digi me l'avait offert, que j'ai toujours pas essayé d'ailleurs. Mais les 3 autres, je les avais pas. Donc je suis trop contente. Bravo. Jour numéro 22, ça veut dire qu'il reste plus qu'un vide placard après et le cadeau de Noël. Ça passe vraiment trop vite. Mais alors, vraiment trop vite. Donc mon indice du jour, c'est car j'aime quand tu portes du bleu. Donc ça doit être du bleu. Ouais, hein, je suis très intelligente. Donc c'est un petit carré comme ceci. Donc ça doit être une petite palette bleue, je pense. C'est une petite palette de chez Tarte. Elle est folle. J'ai jamais testé les fards tartes. Alors la boîte, enfin le packaging est totalement canon. Elle est folle. Elle est complètement folle. Oh, il y a un petit bronzer dedans. Donc j'adore les bronzers de chez Tarte. Et vous avez 5 fards à paupières. Avec un marbré dedans. Donc il y a juste un mat. Mais le bronzer peut très bien servir de teinte de transition. Celui-ci pour le coin interne a juste l'air magnifique. Oh oui, très lumineux. Et le marbré, qu'est-ce que ça donne? La palette n'a même pas été swatchée. Ah, ça donne un argenté. Bon, ça n'a pas l'air d'être une pigmentation de foufou. Oh, quoique. Oh, il est beau. Et celui-ci, tant qu'à faire, hein. Écoutez. Je swatch, hein. Très joli. Ben écoutez, je vais tester ça. Je pense que j'ai peut-être bien la tester pour demain. Donc voilà. Là, c'est un make-up avec la palette Vilain Maléfique de Catrice. Donc je vous ai fait la revue complète juste il y a quelques temps. Donc je vous la remets juste ici si vous voulez aller voir. Donc voilà, je suis ravie. J'ai hâte de tester ça parce que comme je vous l'ai dit, j'ai jamais testé. Le bronzer, c'est un mat un peu chaud, mais ça peut être sympa. Donc voilà, on se retrouve demain pour le dernier produit vide placard et après-demain pour le cadeau de Noël. J'ai peur. Et donc jour numéro 23, donc c'est déjà le dernier jour vide placard. Demain c'est le cadeau de Noël. Donc demain, c'est le dernier jour aussi aujourd'hui où je tourne debout devant ma commode. Demain je me mettrai devant mon bureau avec le déco de Noël et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, mon indice du jour, c'est pour aider à enlever si tu mets tout ce que je t'ai offert en même temps. Tout, c'est juste pas possible, cocotte. Hein, je vais avoir beaucoup de mal. Donc, jour numéro 23. Oh, qu'est-ce qu'il est dur à trouver. C'est celui-ci. Donc, je suppose que c'est du démaquillant. Voilà. Donc, je vais le poser et déchirer tout simplement le dessus. Alors, nous avons d'abord de chez Saison d'Éden, le masque velours gommage régénérant 2 en 1 exfoliant et nourrissant à la mangue argile rose et jojoba. Trop bien, j'ai plus de gommage. Ça tombe pile poil, il fallait que je m'en rachète un. Donc c'est bio, il y a 50 ml, tout type de peau. J'adore.
Est-ce qu'il est ouvert pour sentir? Non. Il est scellé, donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Il va foncer sous ma douche. Ensuite, nous avons First Aid Beauty, FAB, Face Cleaner, Antioxydant Booster. C'est écrit en français. Nettoyant pour le visage avec stimulant antioxydant FAB, élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse. La crasse, c'est très joliment dit. C'est un poids de 56,7 grammes, très précis. C'est deux oz en fait. Mais je connais pas du tout. Sans parfum. Sans parfum et je sens. Et ensuite, New Yesto Grapefruit Brightening, Vitamine C Glow Boosting Unicorn, Transforming Clay Cleanser. Donc c'est un nettoyant pour le visage, mais Transforming, je vois pas. C'est parce qu'il est pailleté peut-être. Ah, c'est de l'argile. Ou alors c'est un masque. Je sais pas si vous allez voir. Je vais lire, hein. Il faut que je relise, mais c'est pas écrit en français, donc... Ah si. C'est bon. Appliqué par mouvement circulaire sur la peau du visage. Humidifié pour éliminer le maquillage et les impuretés. Tada. Comme par magie, la formule passe du rose au jaune. Votre peau est toute propre, toute prête à être rincée à l'eau chaude. Bah écoutez. Nettoyant, licorne, booster d'éclat. Argile, pamplemousse et vitamine C. J'ai hâte de tester tout ça. Voilà. Donc je pensais que ça serait du démaquillant, mais c'est plus du nettoyant et un gommage qui tombe super bien puisque je n'en ai plus. Celui-là m'intrigue énormément. Donc on va pouvoir tester tout ça avec tous les make-up qui arrivent ou qui sont passés. Il y a de quoi tester. 24, devant mon bureau, voilà, changement de décor pour le jour. C'est un poil ou un cheveu qui m'emmerde? Un cheveu, ouf. Changement de décor pour le dernier paquet puisque c'est le plus important, c'est notre cadeau de Noël, donc j'espère tellement que celui que j'ai choisi va lui plaire. Oh, vous pouvez pas vous imaginer. Bref, donc c'est le dernier jour, donc avant de déballer le paquet, de vous dévoiler mon indice et tout ça, je voulais encore une fois remercier Manon pour ce swap, parce que je me suis vraiment éclatée à le préparer, éclatée à le déballer, à attendre, parce qu'en fait on n'a pas dit merci tout au long des petites vidéos journalières, mais c'est parce qu'on s'envoyait toutes les petites séquences que vous avez vues attachées les unes aux autres. Nous, on se mettait un petit message de remerciement et tout ça. On parlait de ce qu'on pensait du cadeau et on se les envoyait tous les jours. Donc, on a eu les réactions en direct, en fait, chacune l'une de l'autre. C'était trop génial, mais c'est passé beaucoup trop vite. Et en même temps, c'est pas passé vite. Enfin, voilà, j'avais hâte que ça se termine pour voir, pour conclure, pour voir le dernier produit, l'avoir déballé, le dernier cadeau. Mais j'avais pas envie que ça se finisse non plus, parce que j'aurais bien continué ça encore jusqu'à l'année prochaine, hein, moi voilà. Mais bon, on peut pas. Donc voilà, j'ai peur de déballer, je vous jure, j'ai peur de déballer. Mais vraiment peur. Je lui ai dit ce que je pensais que c'était potentiellement comme cadeau. Je lui ai dit, si c'est ce que je pense, je te tue. Et voilà. Donc là, je vais voir mon indice que je viens de dire juste avant, puisque j'ai commencé à filmer très tôt. Donc l'indice du jour, c'est déjà le dernier paquet. Comme tu le vois, il y en a deux. Donc je vous montre. Voilà. Le premier à ouvrir est le cylindrique. Et l'indice pour le 1, c'est pour appliquer le 2. Et pour le 2, c'est Ne me tue pas, je l'ai eu en très bonne promo. Joyeux Noël, j'espère que ça te plaira. Ah, elle m'énerve, je vous jure, j'ai peur de déballer. Donc le premier, voilà, je pense savoir ce que c'est. C'est un kit de pinceau essence, je pense, de la collection de Noël. Tout à fait. J'avais dit, j'étais sûre, elle adore les pinceaux essence. Et quand je les ai vus sur sa chaîne, j'ai dit « Ah, ils sont trop beaux ouais. !» Je sais pas si elle l'a rajouté par après ou pas, mais voilà, elle exagère. Regardez comme ils sont beaux. Ah, ils sont trop jolis. La boîte est très jolie aussi.
C'est très bien présenté. Bon, ils ont un petit peu bougé dans le packaging, mais on s'en fout. Alors, est-ce que c'est collé? Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je me fous des paillettes absolument partout. Vache, mais ils sont bien... bien attachés. Hein. Ah, bah oui, forcément. C'est en dessous. En dessous. Oups. Si j'essaye pas d'ouvrir du bon côté. Hein. Alors, en pinceau teint, nous avons un pinceau biseauté pour bronzer ou blush, suivant comment ce que vous appliquez vos produits. Ils sont vraiment jolis, jolis, jolis. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ils sont tout pailletés or et rose gold, comme ça. Magnifique. Le pinceau poudre, que moi, j'aime encore assez bien pour le bronzer, parce qu'il est bien épais. Je ne vais pas le salir, ou même voir le blush. Mais moi, ouais, pour le bronzer, j'aime bien, il est bien épais. Mais pour la poudre, blender la poudre, il doit être sympa aussi. Alors, on a un goupillon. Ça, j'en ai jamais assez. Je suis heureuse. Un petit pinceau liner, mais qui a l'air assez épais. Mais bon, pour mettre les paillettes et tout ça, très bien. Et ensuite, nous avons un pinceau plat, un petit pinceau boule et un pinceau estompeur. Voilà. J'adore les pinceaux essence, vous le savez. Voilà. Elle les adore encore plus que moi, puisqu'elle en a beaucoup plus que moi. Mais je suis très contente de tester tout ça. Donc, ça sera dans le prochain crash test. Hein. Je vais les garder pour crash tester dans le prochain crash test. Donc, ensuite, nous avons le paquet numéro 2. Et j'ose même pas l'ouvrir, je vous jure. J'ose pas. J'ai peur. Bon. Ça, on va l'ouvrir. Hein. Je ne vais pas rester pendant 20 minutes comme ça à attendre. Voilà. Donc, vu le poids, vu la taille du paquet et vu l'indice que j'ai eu, déjà avant, hein, je lui ai dit, quand je les ai rongés, je lui ai dit, je suis presque sûre que c'est une palette Norvina. Je lui ai dit, si c'est ça, je te démonte. J'ai peur. J'ai pas envie d'ouvrir, j'ai trop peur. Ah! Je vais la tuer. Je sens que je vais la tuer. Alors, je déballe les yeux fermés. Je vais essayer de la sortir pour vous montrer. Donc, je sais pas dans quel sens. De toute façon, c'est une palette, c'est sûr. Donc, elle est malade. Non, mais t'es malade, hein, t'es complètement... Putain, ça y est, je pleure, quoi. C'est beaucoup trop, hein. Beaucoup trop, beaucoup trop. Hein. Donc, c'est la... Je sais pas, c'est la volume combien... Voilà, quoi. Enfin, c'est celle-là. T'es malade, mais t'es complètement... Oh putain, elle est belle. T'es complètement tarée. Ça m'énerve parce que je sais qu'elle veut la volume 4 depuis un bon moment et voilà, et elle m'en achète une au lieu de se prendre, de la surprendre pour elle, quoi. Ça me... oh, putain, si tu fais couler mes paillettes, je te casse la gueule. Elle est belle. Est-ce que ça veut dire que je dois me maquiller un peu plus dans les tons violets et arrêter le vert? Ou ça se passe comment? Elle est trop belle. Elle est trop belle, trop belle, trop belle. Oh, le bleu pailleté ici, là. Ouh, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Le petit lilas ici. Oh là là là. Ah, et puis ici, il y a un mauve aubergine comme ça, pailleté aussi. Voilà quoi. Je vais aller la tuer maintenant. Donc Manon, merci, mille merci. Voilà, mais c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est trop. Trop de trop, voilà. Mais merci, ça me touche énormément. Ça me fait vraiment plaisir que ce soit la palette ou les pinceaux. Hein, je suis vraiment contente. Voilà. Je sais pas quoi dire. Franchement, je suis touchée, je suis émue, je suis super contente. En même temps, je suis déçue que ce soit fini. Enfin, il y a plein d'émotions là, trop d'émotions. Je suis toute émotionnée, ça ne va pas le faire. Donc voilà, merci encore une fois, merci mille fois même.
Et je vais quand même essayer de conclure cette vidéo pour pas que ça dure 15 ans, hein, le déballage d'un produit. Voilà. Donc, j'espère que ce swap vous aura plu. Vous avez bien sûr le lien de la vidéo de la partie 3 de Manon en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, à lui laisser des pouces bleus, des gentils commentaires, à vous abonner à sa chaîne et tout ça, tout ça. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu à moi aussi, hein, tant qu'à faire au passage, c'est sympa. De vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne, c'est totalement gratuit. Moi, ça m'encourage énormément, ça me fait vraiment plaisir. Donc, on est content. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous.